dira. La reco, c'est de la merde. Un truc pas agréable. Bah, disons que niveau vidéo, c'est pas passionnant, passionnant la reco. Allez! On peut pas se mettre en boule et dévaler la pente là? Si, mais ça inclut de prendre une balle à ma tête. Tiens, pour leader, on arrive dans 300 mètres sur le prochain objectif terminé. Ok, pas de soucis, on est en route pour vous rejoindre. Pour l'instant, c'est Kiam pour la route qui fait la liaison entre STB1 et STB2. Terminé. Putain, t'arrives à mieux descendre que moi, toi? Oh, fameux, fameux. Ok. Et dense la végétation. Et là, tu tombes sur le seul ennemi qui se bat dans la forêt. Ah, mais là. Et tu crèves et t'as pas eu le temps de leur donner ta reco ni rien. Je pense que c'est ça la faille du plan. Tu penses que c'est ça la faille du plan? C'est que t'as fait une reco, et si t'arrives quelque chose, là, elle ne sert à rien. Je crois que dans mon plan, il y a plein d'autres failles, tu sais. Mais enfin, presque t'aurais pu rester là-haut pour diriger les troupes, quoi. T'aurais vu au-delà, on aurait pu se planquer au maximum. Comment Sierra pour leader, c'est bon, on est en place, on commence l'observation. L'attaque du village. Ok, ça marche. On arrive sur vos traces. Attends, là, on est sur un chemin. C'est quel chemin, ça? Faut prendre à gauche. Mais nous le chemin vers la à tous ce vieux véhicule. Ah, mon éclaireur s'est trompé, excusez-moi. Ouais, ça va être par là, je pense. À moins qu'on ait traversé. Non, c'est ça. On n'a pas traversé de grande route là, de toute façon. Donc on continue nord-ouest, on est bon. Sierra pour Delta, vous avez repéré une patrouille sur la route qui est en face de nous? Terminé. Delta négatif, aucun visuel sur la route. Et bien pris. Ok, des leaders à tous, on est sur standby 1, on va arriver dans votre direction. On a fait une bonne reco de. Enfin, j'ai fait une bonne reco de tout ce qu'il y avait sur le village, donc je vais pouvoir vous indiquer sur place où sont les patrouilles, où sont les sentinelles et où sont les véhicules. Oui, parce que Mystery il a juste tenu compagnie au chef. Bien pris, pensier. Il y a un hélicoptère. J'entends pas. Azimut 10. Delta. Azimut 10. En gros, il est loin. Ah oui. Et au-delà, il y a une autre vallée là. Delta audio hélico. Au niveau de la mine. Un hélico. Ouais, je sais pas ce que c'est comme type d'hélico. Je crois que c'est un Little Bird. Non, non. Non. Trop gros. Un de Sierra pour Delta, visuel sur l'hélico, en approche sur la ville. Terminé. Gazelle? Moi je suis une grosse merde pour repérer. Patrouille repérée à défilement gauche au niveau du passage de l'hélico. Oui, mais tu vois si c'est un gros armé ou un petit dans l'armée. Ça a l'air d'être un petit transport. Mais pas Little Bird, un moyen, tu vois, genre. Ah, peut-être un Puma, tu me diras. Vu que c'est l'armée française, ça pourrait être un puma. Mais il me semblait petit pour un puma. C'est gros un puma. Ok, des leaders à tous, on approche par le sud, attention. On peut pas nous rater, sinon ils ont plein de bruit. Un de Sierra pour. Pour chef, comment. C'est un Little Burn, l'hélico avec des forces spéciales dessus sur les côtés. Ok, je suis là, Sylvain. Ouais, l'hélico il est chargé de bonhomme, je pense qu'il interviendra. Et patrouille repérée de SACOM 400 mètres au nord de STB4. Là, je confirme aussi pour la patrouille. Ok, Sylvain, laisse tes hommes ici, viens, on va rejoindre Dranak. Il est en avant, Dranak? Il est à droite là, en face de nous. Appelle-le, il va venir. Dranak, viens sur Sylvain, je vais vous faire un brief. On va se planquer comme des merdes. Hop.
Là-haut, on va être en sécurité. Ici, là. Voilà. Je peux reprendre mon homme ? Laisse-le là, il pourrait avoir des informations que j'oublie ou quoi, comme il était avec moi. D'accord. Alors, je vous fais un brief. Regarde la carte. Moi j'ai tout noté sur ma carte, mais vous l'avez pas. Sur kilo 1, ici, on a 3 gendarmes en stationnaire. D'accord. On a 5 militaires qui patrouillent autour de kilo 1. Donc je vous laisse noter sur votre carte à votre façon. Hein. Ici, on a sous le préau un camion, ce que j'appelle un zou, un camion. Les zoulous, c'est les camions, d'accord? À l'entrée ici, on a une voiture de gendarmerie que j'appelle X-Ray, donc un X-Ray. Un Zoulou, un X-Ray, trois gendarmes, 5 militaires qui patrouillent ici. Ok? On a 4 militaires qui patrouillent le long de la route centrale de Vagalala. Vous me dites, hein? Vous suivez ce que je dis là? Okay. Oui. On a 4 militaires qui patrouillent la route nord de Vagalala. On a beaucoup de civils dans la ville. Ici, on a des camions civils au niveau de la station essence. C'est tout ce qu'il y a. Le véhicule sur kilo 1, c'est quoi? C'est un véhicule de gendarmerie? Alors, ou c'est nos camions? C'est ici, c'est juste un véhicule, une berline, quoi. Enfin, une voiture, véhicule de tourisme, on va dire, gendarmerie. Et ici, sous le préau, il y a un camion, un de nos objectifs, un camion de matériel. Ok. Ok. Ensuite, sur la mine. Pas eu un super visuel, disons que c'était super loin. J'ai repéré un Zoulou, donc un camion ici, vous voyez? Ouais. Un lac? Ok. On a 4 hommes, 4 militaires qui patrouillent autour. Ici, on a 4 militaires qui patrouillent dans cette zone-là. Rien vu sur Roméo 1, rien vu sur Roméo 2 ou Roméo 3. Ça fait 2 camions de matériel repéré. J'ai repéré qu'un véhicule de gendarmerie. Donc il va falloir continuer à fouiller au niveau de la mine et sûrement qu'on va se dispatcher et fouiller plus là-bas quoi. Sur Kilo 1 on avait un super visuel et j'ai rien repéré de plus donc soit c'est planqué, soit c'est pas sur Kilo 1. Et pour l'assaut sur Kilo 1, tu fais comment au final l'approche? Alors pour l'assaut sur Kilo 1. Du coup, et c'est vrai que là, si on a 4 patrouilles ici et 4 là, et tout concentré, on est vraiment tranquille pour s'intégrer là-dedans. Le plus con. En toute façon, il faudra frapper vite. Ouais. Oh, ça va le faire, ça, je pense. Si le trajet rouge qui passe en dessous du pont, on sera à couvert de tout accès de ville. Mm-hmm. Un creux. Ah ouais, c'est ça, c'est un creux. C'est un creux, on peut prendre position sur Oscar 1. Une équipe qui prend position sur Oscar 1. Et une équipe qui bouge sur Lima. L'équipe qui bougerait sur Lima, ce serait plutôt Sierra. Ce serait plutôt toi, Sylvain. T'installerais ta MG. Ouais, puisqu'on a les appuis, ouais. Tu pourrais traiter d'abord kilo 1. Une fois que kilo 1 est sécure, tu pourrais basculer petit à petit vers le nord. Oui, d'accord, ok. De toute façon, on aura un bon visuel ici avec la MG, parce qu'on pourra centrer là et là. Pour aller tourner et porter le soutien. Pas hésiter à passer derrière Lima s'il faut. Hein. Si c'est trop dangereux, t'hésite pas à contourner les bâtiments et venir te placer sur le pont ici. C'est ce que j'allais faire de toute façon, pour me protéger au mieux. Je verrai bien les bâtiments, comment ils sont. Quoi. Faut que ça aille vite pour que tu puisses vite soulager Delta. Ça serait pas mieux que moi j'arrive directement comme ça là, non? Tu seras en hauteur, tu serais. Et quand tu vas être dans cette zone là, c'est pas beaucoup pentu donc tu verras pas grand chose en fait. Ok, donc vraiment ici et après on traverse quoi. Okay. On va essayer de s'infiltrer. J'ai pas vu de patrouille dans toute cette zone là, les routes ici, la zone là et tout ça, j'ai pas vu de patrouille. J'ai vraiment vu juste une patrouille qui vient là et une patrouille qui à la rigueur passe là. Donc normalement je pense que si on suit le train on devrait pas se faire spotter. Ça devrait passer crème. T'avais visuel sur le bas là ici? Ouais, il y avait que dalle. Il y avait que dalle, ok d'accord. En tout cas j'ai vu que dalle. Peut-être que maintenant il y a des gens. Et Little Bird, bah faudra voir où est-ce qu'il atterrit ce connard. Little Bird il est
puis il est parti défilement droit. Pour info, ça fait 8 mecs dedans. Hein. Et il y a eu une patrouille ici qui défilait gauche qui rentrait dans la forêt. Une patrouille de 5 Où hommes. Ça, ici vers le nord, ouais. Au nord de STB4. Ah ouais, t'as vu là-bas? Oui, parce que quand je regardais jumelles avec l'hélicoptère, j'ai vu la patrouille derrière, juste derrière. Tu me dis où? Elle était où? La patrouille était là. En déplacement? Parce que j'ai vu ce virage en déplacement sur la gauche, elle rentrait dans la forêt. Ça fait 3 minutes que je les ai spotés. Enfin, ça fait depuis 3 minutes. Il était combien environ? 5 hommes. 5 militaires, ok. Militaires, je sais pas, j'ai du mal à les identifier. J'avais pas l'impression que c'était des militaires, ils étaient un peu habillés comme nous en mode détente. Ouais. C'est armés. Les militaires français, mais j'ai l'impression qu'il y a que les militaires qui sont en patrouille, les gendarmes ils sont plus en faction. Ils sont plus en faction, plus statique en fait. De toute façon, il y a que 3 gendarmes par. J'ai vu, il y a oui, 3 gendarmes par objectif, donc. Je pense que tous ceux qui sont en patrouille. Ça nous fait juste 8 mecs sur kilo quoi. Ouais, 8 mecs. 4 et 4, après, il y a peut-être des gens dans les bâtiments. Non, quoi. Ça nous fait une quinzaine de mecs sur kilo déjà là. Il y a les 4 du nord, les 4 du milieu et les 4 sur. Ouais, mais je les comptais pas. Quand moi je dis kilo, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Quoi, juste cette zone là. Mais sur Oscar, il y en a 15 en tout quoi. Ouais. Bah, t'as dit 4 là et 4 là quoi. Une fois l'assaut lancé, si on poursuit des pertes, un point de repli, un point décroche rapide. Même axe. Même axe, mais avec un tiroir inversé, quoi. D'accord. On se replie jusqu'à standby 2. Jusqu'à. Attends. C'est pas une position dégueu ici. Non, c'est bien en lisière de forêt, comme ça tu vois arriver si ça arrive par la route ou quoi. Standby 2, s'il faut s'enfoncer, remonter vers standby 1, on le fait à toute vitesse après. Bam bam. Moi ça me plaît, j'ai identifié à peu près tous les militaires sur zone, toutes les patrouilles. Le plan a l'air d'être assez correct, je dirais. Il y a beaucoup de civils sur zone, à faire gaffe. Hein. Dans... C'est qui ouvre un coup? Ça va être, nous, ça va être toi. Ouais. Ça va être toi, Sylvain. C'est moi, en Sierra? Ok, d'accord. Tu ouvres, t'attends que... On va progresser. J'attendrai ici, et puis j'attends que Delta me dépasse, et puis après on ouais, pense. Sachant qu'il y a des petits bois là juste devant, je sais pas, j'ai pas vraiment regardé à quoi ça faisait... De toute façon, sur STB3, on va avoir un visuel de tout, donc on va vraiment pouvoir affiner la stratégie. Ouais. Bon, allez. Go, ouais. Hein. On peut faire ok. Vous pouvez soit briefer, ouais. Soit partir. Vous me dites quand vous êtes prêt. Sérieux, tu retournes avec ton... Bien. Et chef. On se regroupe sur moi. On va tous les niquer. Ouvrez vos cartes. C'est bon, tout le monde est là? Il m'en manque un, là. C'est qui? Waldrid. Ici, on s'arrête, ouais. On attend que Delta nous rejoint, et une fois qu'ils ont fait la jonction, nous on se dirigera, on traversera la route et on se mettra sur Lima. On se mettra derrière pour que toi, Starfell, puisse te positionner pour avoir un axe sur la route qui va sur Oscar 5, et en même temps appuyer sur Kilo 1 en fonction des besoins. Donc notre objectif, nous, ça sera de se positionner sur Lima et de défendre cette position pour apporter un soutien pour l'équipe Delta qui ira se positionner en Oscar 1. Les renseignements, on a une patrouille de militaires de 4 hommes sur cette voie-là qui font les allers-retours. On en a une autre ici, 4 hommes aussi, 4 ou 5, c'est la même chose. Sur Kilo, notre objectif est ici, camion identifié. On a un véhicule, une berline qui est stationnée, personne dedans. On a 3 gendarmes immobiles en pause, ici. Et on a une patrouille de 5 militaires qui se rendent autour de Kilo 1. C'est les seuls troupes qu'on a vues pour l'instant sur Vagada. Donc voilà, c'est bon pour tout le monde. Ouais. Après, l'autre plan. Pour l'instant, on verra après. Je ferai le topo pour Kilo 2 plus tard. Donc là, on
va se tenir prêt, on va se donner une bonne distance de sécurité entre nous. Sparfel, tu vas ouvrir, vu que c'est la MG. Et au cas où, les contacts, on arrosera direct. Donc on progresse tranquillement. Je veux pas qu'on se passe à la queue, décaler les uns des autres. Ça s'appelle, mais je veux dire, en quinconce. Ouais, en quinconce. Comme ça, on sera plus en sécurité et on pourra réagir plus vite. Si ça devait mal se passer, Delta prêt. Point de repli. Avant d'atteindre minima, le point de repli, ça sera de revenir en arrière, de reculer, de se positionner sur HT3, STB3, et pourquoi pas après revenir sur HTB2. On verra. Okay. Donc voilà, c'est bon pour tout le monde. Quelles sont les règles d'engagement? Pour l'instant, on n'engage pas. Si on nous engage, on ouvrira le direct. Le but, c'est de la discrétion et d'essayer de s'infiltrer au mieux. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à se positionner sur Lima sans se faire repérer, que toi, tu puisses te positionner. Et après, on engage sur les cibles pour que comment Delta puisse faire son assaut. Donc, en gros, de Lima, on traite kilo 1, quoi. On fait du soutien, oui, si on peut éliminer les contacts sur Kilo 1, oui, mais la priorité, ce sera les cibles qui engageront Delta. Donc ça va être la patrouille qui sera là, qui fait la jonction entre Oscar 1 et Oscar 5. Chef de football. Ouais. Il n'y a pas une histoire d'hélico remplie de personnel. Je te transmets, mais on verra ça le moment venu. Le but, c'est de réagir, de faire une attaque éclair. De Sierra pour leader, c'est bon pour nous, à Tongo. Allez, on enquille, c'est parti. Où, en fait, on traverse, on part sur standby 3. Allez, c'est parti, on y va, go. Allez. On se réveille. Sierra est parti, terminé. Delta parti. Allez-y. Traversé. Dernier accroupi homme. Debout, accroupi maintenant. Qui est rouge, on suit, okay. Vous suivez Rémi. Radio maintenant. Okay. Oh, Sierra pour leader, règle d'engagement, on essaie d'être le plus discret possible. Si on nous engage, on réplique. Confirmé, ouais. Il est pas en quinconce, les gars. C'est bien avec les mecs que t'as vu d'arnaque autour de la mine que j'avais pas vu, on tombe sur notre quinzaine de mecs aussi sur l'objectif kilo 2. Ok. Donc a priori on a le compte. Enfin sauf les trois gendarmes qu'on a pas là-bas, mais je sais pas. Faudra trouver sûrement leur camion, leur véhicule de gendarmerie. Et si on trouve leur véhicule, on les trouvera eux aussi. Ok. Bleu, passez de l'autre côté du rail s'il vous plaît. Ouais. Audio hélico. C'est le bruit de train. Ouais. Ah, c'est un bruit de train. Beaucoup. T'as pas vu le train passer? Ah, il est taillé vite alors. Allez, on se concentre. Weldred rattrape là. Allez. C'est un train fantôme. Je vais éviter d'aller sur les rails alors. Ouais, c'est un vu sur le pont. Allez, on y va. Cours, chef. Non, on marche pas.
Ah, il est mouse là. Attention. On fera une pause sous le pont. Okay. De Sierra pour leader, on devra faire une pause sous le pont. On a les gars qui sont fatigués. Ok, terminé. Halt. C'est reçu, Sierra, vous faites une pause sous le pont. Delta reste en arrière. Bleu couverture, flanc gauche. Rouge couverture sur les avant. À tous, je précise, sur l'objectif Kilo 1, sur l'objectif Kilo 1, on n'a pas de civils, donc vous pouvez grenader à volonté. Par contre, sur tout ce qui est Oscar, c'est il y a des présences civiles, donc vous faites attention avec vos grenades. Ok, terminé pour Sierra. Delta. Si vous voyez se poser l'hélicoptère quelque part, vous me donnez des coordonnées ou un point le plus rapidement possible. Hein. Il y a beaucoup de points Oscar et tout ça pour se repérer. Leader. Ouais. Tu veux que... Pour Sierra, on a passé le pont, on se met dans la petite forêt, on est en position, on vous attend. Parce que ça devient tendu là. Rien. Ok. Laisse tomber. Ouais, okay. Go les gars, on bouge. On bouge, on bouge, on bouge. Ok. Ouais. On arrive. C'est quoi? Delta pour leader. 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 Oui. Ah. Oui, pas sur le pont, sur le pont. Ah, d'accord. Je tire pour leader, qu'est-ce qu'on fait? Tu répliques, hein. Oui, je sais, mais tout de suite, là, on commence à bouger sur notre objectif. À vous. Non, restez, maintenez la position. Delta, t'avances, tu vas essayer de prendre ta position sur Oscar 1. Delta, ça semble compromis, la zone a l'air d'être compliquée. Ça bouge sur Kilo 1. Ok, Sierra, repliez-vous sur le pont si possible, on met un feu de couverture. Plusieurs contacts au niveau du rail. Mouvement en sens et émis. Ouais. Ouais. Ok. Sierra, est-ce que c'est reçu? Repliez-vous. Sierra, repliez-vous sur le sous le pont. Ouais, je suis là. Devant toi. Mais... Dranak, fais-moi le balancer de la grenade sur Kilo là-bas. Okay. T'en as pour 300 mètres. Barrière de grenade sur le pont rail. 300 mètres. Bon rail, c'est-à-dire. Au fond du rail, au fond du rail. Plein est. Tout au fond sur Kilo. Ok, au bout du rail. Allez les gars, sortez-moi. Je repars là. Attention. Vas-y, vas-y, balance la sauce là-bas. Parti. Charge. Elle a pété sur le filtre. Attention, tire avant gauche. Sierra, Delta. Delta. Essayez de déporter un ou deux hommes sur le nord-est là, on en prend des tirs. Bleu. Passez sur le flanc gauche du pont. Ouais. Prenez pas de risque. Ok. Oui, t'es de l'autre côté. Non, j'en ai pas eu une. Non. Sierra, est-ce que tu me reçois en position? Oui. J'ai mes gars qui m'ont pas suivi là. Je crois qu'ils ont pas dû recevoir la communication. Si vous êtes à côté, est-ce que vous pouvez leur transmettre de me rejoindre sur le point Lima? Ok, vous êtes combien sur Lima? Je suis tout seul, personne n'a suivi. La maison bleue, azimut 70. Ok, reçu, je vais essayer de leur dire. Merde, on charge. Bleu, c'est trêpe.
Il est là, Syrah, votre chef est parti sur Lima, Oh putain. Ah, il nous a rien dit, hein. Non. Maison blanche, droite et gauche. Allez, démerdez-vous, allez sur Lima, les gars. Peut-être me soigner, moi. Ok, Syrah, je t'ai envoyé tes hommes. Bien pris. Delta, on va intercepter une patrouille de 4 hommes sur le nord qui dirige vers Kilo, terminé. Fury, toujours là. C'est reçu, allez-y. Et gros, s'il faut. Si c'est sur Kilo, vous pouvez grenader à mort. Pour Delta, on a peut-être encore un homme qui est avec vous, qui a pas dû vous entendre. Terminé. Là où il y a la fumée. Ouais, la fumée, ouais. Ok, ouais, leader, c'est reçu. Défile endroit. Faites comme vous pouvez sur Lima, les gars. Vous êtes combien? On est 4. On avance, on essaie de shooter sur Kilo. On fait de l'appui-feu pour vous, là, pour l'instant. Ok, nickel. Nous, on est plutôt loin, c'est plutôt nous, la plus feu. Essayez de faire votre boulot et essayez de nettoyer tout ce bordel. Répète, sur Kilo, c'est feu à volonté, grenade et tout le bordel, hein. Bien pris. Ça se passe. Rouge. Ouais, rouge. Essayez de monter sur le flanc droit du pont et vous mettre au niveau de la ligne hauteur. On monte sur le flanc droit du pont, Mystery. Sur le flanc droit, ne montez pas sur le pont. Restez sur le flanc droit pour prendre de la hauteur, sur, essayer d'avoir un meilleur visuel sur Kilo. Kilo, ok. Il doit probablement être en 60. Ouais, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, ouais. Est-ce qu'un mec de Syrah est perdu ici? Bon, c'est qu'il est mort. Sinon, faut avancer dans le tas d'arbres devant là. D'accord. Ouais. Ah, c'est chaud bon, pour l'instant. On va prendre par flanc gauche après. Ça s'est calmé, hein. On a battu pas mal de mecs là. Hein. Ouais. Ok, Syrah, tu me reçois? Parlez. Si ça te semble clear sur Kilo, tu restes sur l'imam et tu bascules ta couverture sur le nord, ok? Je peux tenter une avancée. Vous avez des fumis? Nous? Ouais, moi j'en ai encore plein, ouais. Bah ouais, déployez des fumis derrière le bosquet à l'est là et puis allez checker dans le bosquet. Rouge. Si vous trouvez pas le mec. Les chefs, à tous audio et hélico, je répète, audio et hélico. Le chef devrait vérifier le bosquet pour voir s'il va allier. Ouais, y a un hélico qui arrive depuis l'est là, 60, bougez pas tout compte fait. 60. Ok. Il a l'air foutrement statique. Non, il descend. Il va se poser, si vous pouvez l'allumer à la mitrailleuse, allez-y. Oh, ça va être chaud là. J'aime pas où il va arriver. Ok, Syrah, ça va être pour vous. J'ai beaucoup de chargeurs, moi. Oh, le déluge de feu, quoi. Putain, la folie, là. Ok, Delta. Delta. J'ai avancé sur Oscar 1. Pris, mouvement sur Oscar 1. On s'ira. Go. Rouge. Ouais. On bouge. On vous suit. On bouge. De Syrah pour leader, on va commencer à prendre d'assaut Kilo 1. Je répète, on prend d'assaut Kilo 1. À vous. Négatif, restez sur Lima et assurez la couverture nord. On va attendre que Delta se déploie sur Oscar 1. Une fois que Delta sera sur Oscar 1, je vous donnerai le signal pour prendre Kilo d'assaut. Bien pris pour Syrah. Je sais pas où t'es mort, Fuckball.
des bons couverts, je vous laisse ici. Ok, Delta. Delta, je répète, sur Oscar, en position. Ok, c'est bien reçu. Essaie de prendre une couverture plutôt orientée nord, si tu peux. On va faire avancer... je vais faire avancer Sierra sur Kilo, donc ils vont l'avoir en visu. T'es pris. J'ai couverture est et nord depuis Oscar. Terminé. Ok, Sierra, c'est entendu. Vous avancez sur Kilo. Bel assaut. Bel assaut. Ok, c'est bien. Red de Sierra pour leader, visuel sur le camion, prêt pour intervenir. Terminé, pas d'ennemis sur zone. C'est reçu, vous sécurisez Kilo pour l'instant. Ok, halte au feu, on a les alliés qui ont attaqué, qui arrivent sur Kilo. Dites-moi si vous trouvez du matériel sur place, Sierra. Du matériel, nous on n'a pas de matos pour l'instant, on attend votre ordre pour aller sur Kilo. Toujours couverture ah bon. Nord. Rouge. Ah ok, vous êtes encore sur Lima, rouge. Allez sur Kilo, investissez Kilo, nettoyez Kilo. Oh, on y va. Ranak. Oui. Prochaine baraque, mais dans quel sens? Pardon, sur le nord. Nord, ok, t'as un petit jump, ouais. Et vous, toujours vers. De Sierra pour leader, on a une patrouille qui arrive sur Oscar 1, la patrouille que vous aviez trouvée sur la route. Attention, il y a une patrouille qui arrive sur nous là. Je répète, ça vient sur nous. Ok, attention, patrouille qui arrive sur nous. Oscar 5, je répète, ah Oscar 5, c'est bon, patrouille c'est bon, c'est 5 bon, c'est bon. Terminé. Ok, patrouille. Ok, reçu. C'est au bout de la rue. Ouais, Dranak, c'est au bout de la rue. Essaye de prendre un visuel sur la route et voir si tu peux couvrir la route. Ok, rouge. Oui. Prenez l'angle de la petite baraque en tôle là et c'est où visuel sur le nord. On a aussi très on a des ennemis très loin. Très mauvais. On voit dessus, hein. Fouille, au bout de la rue. Delta. Ah, leader, j'écoute. Je peux faire un bond sur Oscar 2 pour avoir un meilleur visu sur Oscar 5. Pas de soucis, avance. Correction, on freeze. Pas de soucis, tu pourras avancer sur Oscar 2, mais garde bien tes sapeurs prêts à intervenir pour aller sur Kilo. Hein. T'es pris, on bouge sur Oscar 2. Okay. Sierra, vous me confirmez que vous avancez sur Kilo 1 pour nettoyage là? C'est parti, on y va. Un Sierra en route. On a traité la patrouille sur Oscar 5, peut-être encore un survivant. Terminé. Ok, c'est reçu. Encore au moins un survivant sur Kilo 1, faites attention. Comme par hasard, je l'ai poste enculé. Ok, de leader Delta. Delta. Tu me renvoies un sapeur sur Oscar 1 et tu continues à avancer vers le nord jusqu'à Oscar 5.
De Delta, j'ai un sapeur sur Rose 40. Y'a un sapeur ici? Pas correction, j'ai un binôme sur Oscar 1, sapeur présent. Oui. À toi. Tu m'en laisses juste un et puis je t'envoie l'autre avec toi, vous allez avancer. Ok, vous êtes sapeur? Oui. Ok. Ok, y en a un qui reste. Y'en a un qui reste avec moi, l'autre il rejoint le reste de son équipe au nord là-bas. Ok. Ok, c'est reçu, Sierra. À coup ? Ouais. Commandant, ouais, j'ai avec vous. Ouais, leader. Delta en mouvement sur vers Oscar 5, terminé. Allez, viens avec moi. Tu vas avoir du boulot. T'as combien de charges ? 3. Nickel. Allez hop, pas de course. C'est quoi cette voiture au milieu de la route là ? C'est de la gendarmerie ça ? Non. Négatif. C'est sur vous quand même. Ouais, dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Je suis toujours là. Ok, nickel. À couvert. Impeccable. Merde, attends, j'ai un coup de freeze. Voilà. Eh ben, dis donc. Ok, ça, c'est ton premier véhicule à plastiquer. En charge. Reste là, là-bas, Walgreen, en couverture. Reste là-bas, là. Dans ce camion. Je crois qu'il avait des munitions pour le... Ok, Sierra. Ok, la radio, oh, la radio, je prends ça. On est au camion, en plus. Sierra, de leader. Votre leader a décédé ? Affirmatif, leader décédé, 3 effectifs restants, Fuckball disparu. Fuckball confirmé décédé. Donc vous êtes 3, ok. Maintenez la position là. Y'a quelque chose dans le hangar ? Hangar, quelques caisses, est-ce qu'on a des alliés dans le 340 ? Delta, affirmatif, alliés sur le 340, sur Oscar, entre Oscar 2 et Oscar. Contact sur la route, possible visuel depuis sur Kilo 1, il peut vous engager, attention. Bien reçu, j'ai abattu un mec sur la maison sur laquelle vous vous trouvez il y a environ 2 minutes. Putain, ils ont du matos là-dedans. Ok, c'est pris. Non, je prends pas de GPS, c'est cheaté. T'as vu Dunko, je prends pas de GPS. Attention, entre. Audio blindé léger, oui. Sur la route ouest sud de Kilo 1. Ouais, putain, je l'attendais celui-là. Pop. Est-ce qu'il vous reste un AT, Sierra? Sierra, négatif, nous n'avons pas récupéré la tête de Fuckball, étant donné que je sais pas où il est, moi. Bordel de merde! Ok, t'as eu le temps de voir c'était quel type de blindé? Je dirais un MRAP, a priori, moi je dirais un Strider. Bordel. Essayez de jeter un œil, patientez. Ouais. Avec un peu de chance, il se trouve pas loin de la charge que j'ai posée. Ouais, Ouais, c'est pire qu'un Strider, c'est un blindé moyen à roue. Canon de 30 quoi. Ok, reçu. On va rester discret le temps que je réfléchisse là. Ah bordel, putain, culé. Comment faire? Dans les caisses, il y avait beaucoup de matos, mais il y avait pas de... J'ai pas vu de lanceur RPG. C'est quoi tout ce matériel là? Je crois qu'il est à côté de... Delta en position sud-ouest de Oscar 5, en attente d'ordre, terminé. Ok, reçu. Sierra, essayez de vous planquer, vous voyez la voiture de gendarmerie, on a une charge dessus, on va la faire péter en espérant au moins endommager le véhicule. Hey, comment tu fais pour fermer la porte sans t'exposer, toi? Merde, tu peux pas. Peut-être... Non, pas moyen d'enjamber ces caisses.
Sierra, c'est compris, vous vous planquez? Sierra bien reçu, mais j'ai un homme qui est loin, donc faut pas lui communiquer vos communications, il peut pas venir à cause du blindé. Il est près du bâtiment. Ok, il t'entend. Ok, tu crois qu'on est bien planqué là? Ça dépend ce qu'est le contenu de ces caisses. Bien, on va aller bouger derrière le camion. Je suis confirmé que vous faites péter la voiture de gendarmerie, à vous. Oui, c'est confirmé. Bien, 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 bien. Sierra bien reçu, je suis à proximité du camion. Allez, allez. Ah ouais, je sais. Ok, planque-toi, Veldren, on va faire péter le camion de gendarmerie. Ok, il vient de 220, le blindé. Ok, on fait péter dans 5 secondes. Si le blindé bouge, vous planquez. Sierra bien reçu. Allez, 5 secondes. 0. Ah, il est trop loin le blindé, il a pas pété hein. Ouais. Il est dans l'axe du camion à peu près le blindé. Il est dans l'axe du camion? Ouais, le camion de camion militaire là. Le camion militaire là en 220 à peu près. Ouais. 240 plutôt. Il est dans cet axe là. Oui. Va vite me plastiquer le camion là-bas discrètement. Compris. Autorisation de faire le, de faire un tour par la droite. En tout cas. Ah ouais, tu passes tout droit là. Ouais, ouais, ouais. Tout droit. Compris. Mais là, il vient, on va rejoindre tes copains. Ouais. Allié. Putain, j'ai même pas une grenade à frag. Pour plastiquer. Sylvain, t'as l'air quoi groupe, il pourrait, t'es là, ouais. Bah l'autre groupe, ils sont là. Ah, oh, j'étais au camion en bas chez les bleus, là. Mais putain. Oh, c'est un groupe d'ennemis qui descend, là, du reste, mec. Oh, ça pue, ça pue. Ça pue, ça pue, ça. Attention. Ouais. Delta pour leader, Citrep. Delta, contact qui viennent depuis l'est sur la D65 apparemment. Ah, je l'ai vu. Plutôt dans le champ entre la D65 et, et Kilo. La charge est posée. T'as le temps de placer ta charge? Oui, elle est armée. Ok. Sierra. Sierra, j'écoute. Vous vous repliez sur le hangar. Vous allez sûrement vous extraire par l'est de la forêt. C'est compris? Sierra, bien pris en mouvement. Delta. Delta. Citrep. On est revenu sur la position Oscar, on a afin d'avoir un meilleur visuel sur le sud-est aux alentours de Kilo pour couvrir. Ok, commencez à bouger vers Oscar 4, Delta. Delta pris, en mouvement sur Oscar 4, terminé. Avec Maoli. Oui. Leader de Sierra. Leader. Pour m'extraire S, il faut que je contourne légèrement par le nord de Kilo 1. Est-ce que je fais déjà mouvement à vous? Ouais, vas-y, on va faire péter le camion et on se barre. On va laisser le okay. Blindé. Ok, sur moi les mecs, sur moi. Ok. C'est bon. Tu prends l'avant? Ouais. Ok, on se planque. Oui, c'est bon pour toi là? Oui. Prêt à faire péter. À tous, explosion sur Kilo. Vas-y. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je crois que le blindé a subi quelques dégâts. Bien, on prend pas le temps de regarder, on va suivre. Sierra.
Ok, donc de leader à Delta. Delta. Je suis toujours avec ton sapeur, tout va bien, on a détruit les deux objectifs sur zone, on s'extrait par l'est par la forêt, on va remonter vers la D65, on va essayer de vous rejoindre par la... peut-être sur Standby 4. Ton démo va bien, il est avec moi. Delta a pris, vous faites mouvement sur Standby 4. On sécurise le Oscar 4, la station service. Terminé. Ok, c'est reçu. Une fois que c'est sécurisé, vous pouvez avancer comme on avait indiqué au briefing vers Standby 4. Pour information, il reste plus que 3 hommes chez Sierra. Putain, Sylvain, il avait une banane dans son sac. Delta pris. T'as vu des lags, vous, ou pas? Non. Bon. Pas d'amour chez moi. C'est nickel. Allez, on bouge, on va vers le nord, là. Vers le nord, ok. Ouais, on va... Attends. Je t'explique, on va traverser la D65, on va rejoindre l'autre équipe sur Standby 4. Ok, j'ai vu. L'idée. Ok, c'est parti. Doudou, tu pars devant, plein nord, allez. Enfin, légèrement nord-nord-est. Ouais, c'est ce que... Bon, les passages intéressants. Et bah si t'as eu le blindé avec, c'est nickel. Quand on sera en hauteur, peut-être qu'on pourra vérifier. Delta pour leader. Je viens avec le camion, c'est cool ça. Leader. Il y a le carrefour. Confirmé, on bouge directement sur Standby 4 ou on attend que votre, on attend que vous regroupez sur nous pour bouger sur Standby 4, à vous. Vous bougez sur Standby 4, on se rejoint sur Standby 4. Oui, précision, je profite pour sécuriser le petit hameau au sud de Standby 4, à vous. On va arriver par le sud, je pense qu'on va s'en charger nous-mêmes. Oui, je prendrai les positions rochers sur Collision 56, terminé.